J'arrive sur un nouveau champ, je sors de la voiture, alors, je fais un trou, hein. Je sors de la voiture, je fais mon trou, et putain de merde, un sanglier, 80 kilos, regarde, regarde ça, regarde, entre ce trou-là et ce trou-là, j'ai rien vu arriver, j'ai pas eu le temps de sortir l'appareil photo, mon pauvre, j'en tremble encore, il est énorme, et il vient de se barrer là, voilà, j'ai pas eu le temps de sortir l'appareil, mais putain ce monstre. Regarde-moi ces traces de pattes, quoi. Putain, voilà. Moi, je me suis chié dessus, hein. J'ai cru qu'il allait me charger. Petit trou. Allez, 5-8 cm. C'est là. Je pensais à un cul de cartouche. Attends, je fais la mise au point. Et non, parce que un cul de cartouche avec une pièce à côté. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, j'essaierai de nettoyer, de regarder s'il n'y a pas des choses écrites dessus, mais on verra. Allez, ciao. Encore un petit trou, hein. J'ai commencé à le reboucher parce que ça sonnait vraiment merdique. J'ai repassé la machine et là, voilà, c'est encore dedans. Et putain, ça sonnait super mal, oh. Et voilà. Voilà, c'était à plat, putain, au niveau du sol. Et ça sonnait mal, c'était à plat comme ça. Voilà. Et l'autre côté. Je sais pas si c'est une monnaie. Hein. J'espère que c'est une monnaie. Voilà. Et voilà, en 2 jours, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je sais pas ce que c'est. On va zoomer. Voilà, ben je verrai au nettoyage et je vous tiendrai informé. Voilà, elle est belle. Il y a un côté un peu abîmé, mais voilà. Voilà, écoutez. Ciao, à tout à l'heure. Un petit trou, là. Une dizaine. Je pense un plomb de sac. Faudra me confirmer ça. Voilà, ça c'est épais. Nickel, j'adore cette sonnerie, je suis méga fan. Voilà, je le nettoierai, je vous montrerai. Allez, ciao. Dans un champ, hein. J'ai l'autorisation. Putain. Un bouton, je pense. C'est tout petit. Voilà. Là, je suis revenu dans mes vignes après avoir traversé mon champ. Là, il y a un bouton. Voilà. Ça n'a pas l'air bien vieux, hein. Mais voilà, je le nettoierai et on verra ce que ça donne. C'est sympa, le soleil revient là un peu. Ouais, c'est cool. Allez, ciao. À la sortie de mes vignes. Voilà, un petit trou vraiment dans le chien dedans. Putain, quelle merde à creuser, quoi. Et là, voilà, un euro. Mais fatigué, hein. Deux points. Ah, voilà. Voilà, 1 euro. Nickel. Je paye une partie des piles. C'est parfait. Allez, ciao. Champ de pêcher juste à côté de mes vignes. Hein. Une petite médaille.
encore dedans là. Super légère, elle sonnait moyen, vraiment moyen. Bon, j'ai décidé de creuser. Et... voilà, bah écoute, petite médaille, c'est cool, nickel, j'adore. Voilà, ciao. Là, voilà, je viens juste de retourner la pelle. Elle est là, et là, c'est là. Voilà, ça n'a pas l'air vieux, alors. Francs 1932. Je sais pas, c'est qu'est-ce que c'est comme matière. Elle est super belle, elle est splendide. On va bien nettoyer ça, ça revient bien, je pense. Ouais, ben on était riche dans le coin. Hein. Et ils avaient des ronds, quoi. Ouais. Allez, ciao. Petit bilan, on est le 4, fin d'après-midi. Voilà. Alors c'était propre le champ, hein. Un peu d'alu, capsule de pâté ou de je ne sais quoi, et un parachute. Voilà. Un parachute. Ensuite, voilà. Alors un Napoléon, si je ne me trompe pas, mon fameux euro. Les 20 francs 1932, 52 pardon, le fameux bouton, la médaille, ça je sais pas, le plomb de sac, le cartouche, et voilà, du plomb, encore du plomb, je l'ai pas filmé parce que je vais faire que ça, voilà. Je nettoie tout ça, je rentre, j'ai rendez-vous et je m'occupe de mettre ça en ligne et de nettoyer les monnaies. Allez, ciao.